Placé sous le thème « Démarche de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin », cette deuxième session de la commission thématique genre « Affaires sociales et participation citoyenne » de l'ANCB vise à proposer une démarche globale de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales de 2026. La présidente de la commission n'a pas manqué de rappeler aux participants le rôle qui est le leur au cours des assises. Notre rôle, c'est de les amener à respecter ce qui est écrit et ce qui est dit. C'est tout. Nous n'avons plus rien à inventer. Parce qu'actuellement, c'est le système partisan. C'est les partis, à travers leur structure de base, qui désignent ceux qui sont méritants. Je dis bien ceux qui sont méritants ou celles qui seront méritantes. Au bout des deux jours de travaux, des résolutions ont été prises et des recommandations faites pour permettre à la fêtière des communes de mieux préparer les prochaines communales au Bénin. Nous avons essayé d'écouter les femmes qui sont aux commandes dans les communes depuis 2020 et cela nous a permis d'avoir des témoignages pointus et très sincères que l'ANCB gardera dans ses archives et pouvoir travailler avec à partir de 2025. Nous avons fait le point des acteurs qu'il faut associer, qu'on mette tout le monde ensemble dans un petit creuset pour pouvoir mener des actions à fort impact. Le président de l'ANCB, Luc Setondiatropo, a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation pour l'amélioration du taux de représentativité des femmes dans les conseils communaux à l'issue des élections municipales de 2026. L'amélioration du leadership féminin au niveau local, notamment en ce qui concerne les fonctions techniques et administratives, ne doit pas nous faire oublier que plus d'une trentaine de conseils communaux fonctionnent aujourd'hui sans aucune femme en leur sein. C'est une réalité qui ne cadre plus avec les nécessités, aussi bien au niveau local que national. Cela justifie ma présence ici à Kouyogbe ce jour pour prendre part à cette deuxième session de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB, dont le thème on rappelle l'un des défis majeurs des prochaines élections communales et municipales, celui d'améliorer significativement le nombre d'élus femmes au sein de nos conseils communaux. Le président de l'association a pris l'engagement que diligence sera faite pour la mise en œuvre des recommandations issues de cette session.